En le relevant un peu, je sais pas si j'ai de bruit au loin. Ah, j'ai tellement relevé. Non, ah bon? Le mieux c'est que tu le mettes face à un arbre ou un mur ou quelque chose. Normalement, le faceau lumineux il se coupe de façon assez nette. Ouais, j'ai l'impression aussi. Oui, que là on voit le. Oui. Non, c'est à peu près juste. J'ai pas eu d'appel de phare de voiture. Donc. Non. Là, je croyais qu'il était trop bas et là, j'ai pris ma clé avec moi. Il faut vraiment être dans la nuit pour bien le régler. Oui, c'est ça. Chez nous, j'ai des vélos dans la cave et on passe par le parking sous-sol pour sortir. Alors j'ai l'habitude, je mets pas la lumière dans le parking, comme ça, en traversant le parking, je peux vérifier l'éclairage à chaque fois. Le sensor? Oui. Je peux pas faire ça. Ah mais ça marche, je peux bien. Pas de problème là-dessus. La lumière s'allume toute seule. Donc, mon vélo, il est dans le salon. Ouais. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a un mot qui est passé du Saint-Bleu disant que les vélos étaient interdits dans les étages. Dans les étages? Ah bon? Non, mais ça c'est une histoire de rouler dans les couloirs, etc. Ceux qui ont des grands vélos, il faut abîmer la tête. Oui. Non, mais ça n'a rien à voir avec un vélo pliant. Une fois que c'est plié, ce n'est plus un vélo. Voilà, c'est un bagage quelconque. Ce week-end, quand on a fait Beauvais et Dieppe, oui. À la Vietop, on devait aller à un hôtel. Le gars, au début, il voulait pas qu'on monte les vélos. Il voulait qu'on les laisse dans la cour. On lui a dit, mais c'est pas moi. Je lui ai dit, si vous les faites voler, je vous les rembourse. Et après, une fille du groupe lui a dit le prix du vélo. Ouais. Un titane à 2000 euros. Ouais. Il a dit, c'est bon, montez-les. Ouais. Non, mais le mien, je m'en suis beaucoup servi en voyage, comme je dis, parfois dans la neige et tout ça. Quand c'est du temps neigé, l'astuce c'est que tu mets il faut avoir un peu de papier journal. Tu mets quelques morceaux de papier journal par terre et puis tu poses le vélo dessus. Bonsoir. Et comme ça, lorsque ça dégouline et tout ça,
t'as que jeté le papier journal après. Ah, c'est quand il pleut, ouais, ça commence à goûter. Voilà, ouais. Au Willow dans une chambre d'hôtel, tu le mets dans le bac de douche ou dans le manoir en attendant que ça sèche un peu. Ouais. Tu vois si c'est mouillé. Le mieux, c'est d'avoir un bureau avec une moquette foncée et sale. Ouais, un bureau, ouais. Ni vu ni connu. Ouais. Non, mais c'est un bon conseil, je te donne là. Faut toujours avoir un peu de papier journal à portée de main pour mettre dessus quand c'est mouillé. À l'hôtel, il y a le papier toilette, je m'en servais pour nettoyer le vélo quand il était sale. Ah bon? Ah oui, d'accord. J'ai passé 9 mois à l'hôtel, donc chaque semaine, je nettoyais le vélo à fond. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah bah tu es plus enthousiaste que moi. Je me contentais de le laisser déboulonner chaque fois. Il y a un autre brompton devant. Ah, quelle connaissance. Vas-y. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des valeurs pliants ou ce sont des valeurs électriques ça? Les deux. Les deux? Ouais. Ah bon? Chacun a deux valeurs donc. Ouais. Vous êtes gâtés. À la maison, on a des valeurs pliants, oui. Des valeurs électriques ou un valeur électrique. Mais là, j'ai ni l'un ni l'autre. C'est autre chose là. Ah bon? Donc c'est surtout pour les côtes. Ah c'est bien ça. Pas de la droite ou comme ça? De toute façon, des valeurs pliants, c'est susceptible à vous suivre partout. Alors autant que ce soit pour les valeurs. On descend souvent dans le midi. Ouais. Ouais.
Bon, et ben, à plus, bonsoir. Bonsoir. Salut. Allez-y, vous pouvez traverser là, c'est bloqué. À droite, serré à droite. Juste à droite. Serré à droite. À droite. Avant. Thank you.
sont pas très quoi? Brillants, hein. Brillants, pourquoi brillants? Brillants. Ah, brillants, ah oui. Pas trop, hein. Moi? Non, non. Thank you.
Bretagne. Un hôtel de ville illuminé en rose pour l'occasion. Donc ce soir, nous lançons officiellement à Villeurbanne le mois d'octobre rose, ce mois de campagne de promotion du dépistage organisé du cancer du sein. Alors cette balade à vélo pour le vélo, je vais aller avec vous, hein, est co-organisée par l'association Europa Donna et la ville à vélo. Merci beaucoup aux organisateurs de cette idée, car comme le dit le sport, c'est la santé. Ce soir, cette balade, c'est notre coup d'envoi pour rappeler aux femmes qu'après 50 ans, il faut tous les deux ans faire une mammographie. C'est la quatrième année que Villeurbanne participe à cette campagne. À Villeurbanne, nous sommes particulièrement sensibles car les femmes villeurbanaises effectuent moins que dans le reste du département de dépistage. Et par ailleurs, compte tenu de la situation socio-économique d'une partie de la population, le nombre de cancers y est plus élevé. Il faut donc continuer sans relâche à sensibiliser. Il faut aussi renouveler les formes de communication pour toucher toujours plus de femmes. Alors c'est le cas notamment de l'association FemJunk qui a mené des ateliers dans les quartiers, dans les centres sociaux, à partir de photos de femmes torse nues. Ces toiles ont été customisées et mises en scène par les habitantes et les artistes. Et ces toiles maintenant sont de véritables œuvres d'art. Elles sont exposées alors à l'hôtel de ville, là, mais bon, c'est terminé, pour venir demain, à l'espace info et aussi chez les commerçants. Ça sera visible jusqu'au 25 octobre et le 9 décembre aura lieu une vente aux enchères au cours de laquelle seront donc mises en vente ces toiles. Donc c'est le 9 décembre à l'hôtel de ville de Villeurbanne. Comme chaque année, notamment avec les personnes qui travaillent au sein de la direction de la santé publique et avec nos partenaires de la santé, notamment la CEPAM et ADEMA 69, il y aura des stands sur les marchés pour sensibiliser toujours plus les femmes, notamment en face à face. Et puis, cette balade ce soir, c'est une autre forme de communication, la balade à vélo, hein, plus pour le vélo. Je vous remercie donc d'être si nombreux, mesdames, mais aussi des messieurs. Merci, on a bien vu. Je tiens à remercier également la maison Pignol qui offre ce soir le buffet. Merci beaucoup. Une partie du buffet. Et merci aussi à toutes les personnes bénévoles, notamment la ville à vélo, qui ont assuré la sécurité de cette promenade. Thank you.
comment? À l'évasion de quel événement, je comprends pas. À quel événement? Aujourd'hui, c'est pour l'association Europe Donna. C'est pour sensibiliser les femmes qui peuvent faire des dépistages pour les cancers de sein. Voilà. Allez, bonne soirée. À droite, série à droite.
Vas-y, vas-y. Attention, ça coûte très cher ça. Attention, t'as une caméra. Oui, aussi. Hop là, hop là. Hop là, on est dans la campagne. Allez, est-ce que vous voulez que je vous demande? Non, mais je l'arrache. Ouais, campagne. Je suis à ta mère, ouais, je pense. Ouais, champagne, il est pas comme eux. Est-ce qu'il est pas comme eux?
Mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît. C'est quoi ça, bas-côté? Ça y est, c'est réglé. C'est bon? Il y a deux filles qui sont là. C'est réglé. Merci. Excusez-moi le retard. C'est bon, tu l'as eu? Oui, oui. Il t'a écrit toi? Pardon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon téléphone. Tu l'as récupéré? Oui. Bravo. Bah, je retapais. Bravo. Ah, bien, ouais. Allons-y. C'est bon, tu l'as eu? Le groupe a continué ou quoi? Où est le reste du groupe? Le schéma en fait. Quelqu'un a suivi où ils sont partis? Ah bon? Ok. Elle a réussi à démarrer là-bas ou pas? Oui, c'était bon, mais c'était bon, donc on a eu une femme portable. Ah oui, il y a un mec qui a quitté le... Non, mais je l'ai repris, moi. Ah, vous l'avez repris? C'est moi, je l'ai repris. Ah, d'accord. Je l'ai rattrapé, je... Ah, vous l'avez rattrapé? Oui. Vous avez écouté quoi? Mon téléphone. Ah ouais. Que j'ai dans ma poche. Ah ouais. Comme d'habitude. Et il l'a rattrapé. Oui.
Ouais. Bon bah désolé en tout cas, c'est un coin qui est connu comme un ah bon difficile, ouais. Ah. Adjoint au sport. Bon bah d'accord. Ouais. On va envoyer les... J'aurais pas le laisser dans ma poche peut-être mon téléphone, mais bon. On a appelé ici juste pour les emmerder. Ah bon c'est, voilà. Ok. Bon. Merci à vous. Bonne soirée. C'est possible qu'on ait... Le Via Béa? Est-ce que c'est le Via Béa? Oui, Via Béa, c'est bon. Ah, oui, bon, c'est plus loin, ça va être sur le droit. Il a rien dit, il me l'a rendu. Ah ouais. Je lui ai demandé de ne pas recommencer. Ouais. Attendez-nous, on est plus assez nombreux pour assurer le cortège là. Ah
Hello. C'est lui qui est là. Vous êtes où là? Rue Garibaldi après. C'est après ce que j'ai entendu, il y a quelqu'un. Ah, nous aussi on. Ah bon, d'accord. Bon, on arrive. On est là en quelques secondes maintenant. Là, on croise les Bretons là. Ok, à tout de suite. Ils nous attendent de rue Garibaldi. Gag technique, c'est ça? Ok, non, c'est bon. Hey, on va faire un vélo. Ah oui, il m'a piqué mon téléphone. J'ai dû le courir pour le rattraper. Ça m'a fait un peu plus d'exercice que j'avais programmé ça. Heureusement, t'as dit que le sport c'est la santé. Heureusement que les jeunes sont pas des cyclistes quoi. Dans ce quartier-là, ce ne sont pas des cyclistes. On va s'arrêter au feu, même s'il est vert. Ceux qui étaient vers le sport, hein. Ouais. Ceux qui ne devaient pas bouger, ma maman qui dort.
barricade qui tu allais rendre au milieu des ballons qui passaient. Et piquer, piquer des ballons, éclater des ballons, etc. Et puis il finit par bousculer quelqu'un, il fait tomber. Alors là, j'ai laissé mon ballon, je suis allé lui demander de se mettre sur le bas côté. Donc il m'a fait tourner en bourrique et puis il a vu que j'avais le téléphone dans la poche, il m'a piqué le téléphone et il est parti en courant. J'ai dû le rattraper pour le reprendre. Et alors tu l'as récupéré, c'est ce qu'on m'a appelé. Oui. T'as bien fait. C'est quoi la suite? C'est qu'au Gambetta on va à Valco ou non? Je sais. Oui, on va à Valco, oui. On va prendre Servian. Ah, Servian, d'accord. Servian, oui, c'est plus sympa. Okay. C'est plus direct. Servian, un peu les quais et puis. D'accord. Et allez! Ouais, c'est bon, tu vois? Ah, je suis reconnu, je l'ai déconnu. Ah ouais, je l'ai déconnu, forcément, regarde. Je suis arrivé à 50 mètres. Donc forcément, ça lui a fait bizarre. J'ai planté un coup de frein, mon pneu s'est arrêté à 2 cm de sa portière, ça lui a coupé toute velléité. Il a eu peur pour son portefeuille. Ça marche. Ou pour son portable, pardon, tout loin. C'est bon, t'as réussi à récupérer? Oui. Il m'avait pris mon téléphone. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Thank you.
excuse-moi, je t'ai frappé là? Non. Désolé.
Le rebas sur le poche. Tiens, c'est une bonne idée, pour mettre les rebas sur les poches. Comme ça, j'aurai moins de téléphone volé. Remarque, c'est la première fois qu'on me pique quoi que ce soit de ma poche. Ah. On n'a pas vu, nous. On a vu qu'une fois après, mais on a pensé que c'était pas un connard. Ah, non, je m'embête pas pour des connards. si je m'embêtais pour des connards, j'irai pas loin. Non, on n'a pas vu que c'était pique. J'ai dû me méfier. J'ai vu qu'il regardait sur la poitrine et puis plouf, trop tard. Non, je cherche. Voilà. Ah oui, d'accord, ok.
En plus, j'ai peu de mon stylo. J'avais un stylo dans la poche, ça a dû tomber par terre lorsque je courais. Ah, c'est pas grave, hein, j'en ai un autre à la maison. Et tu l'as rattrapé comme ça, il t'a pas fait mal? Non, il a tourné à gauche, et puis encore à gauche. Et puis, au moment où moi je tourne le dernier virage, j'ai vu qu'il disparaissait dans une entrée de meubles. Donc j'ai rattrapé, il était là, il s'est caché dans l'ombre. Il pensait que je l'avais pas vu. Voilà. Je me suis pointé devant lui. Il m'a rendu mon téléphone. Je dis, ok, d'accord. Qu'est-ce que je dis? Tu recommences pas. Voilà. Et puis je suis parti. J'ai dû rattraper le groupe. Voilà. Il y avait plein de gens qui disaient qu'il faut appeler les flics. Ouais, on appelle quoi? Oh. Tu nous en voulais, je ne voulais pas être parti avec toi, tu vois, mais nous on savait quoi. Ah non, pas tous courir après un sans-cola. Voilà. Et puis comme tu es revenu par un congrès en deux, là. Non, mais en plus, lorsque je le croisais, je me suis dit, il est quand même un peu bête, il m'a piqué mon téléphone alors que je lui filmais. Oui. Je lui filmais. Ah, tu l'as filmé? Bah oui, j'ai tout filmé. J'ai tout filmé, ouais. J'ai filmé. J'étais en train de filmer tout le parcours. Voilà. Donc comme ça, j'ai filmé et qu'il m'a piqué la journée. J'en ai, merci. Pour la famille. Voilà, donc j'ai filmé lorsqu'il m'a piqué mon téléphone et puis j'ai filmé lorsque je l'ai grossé. Voilà. Non, mais je vais les mettre sur YouTube. J'en ai pour deux minutes, je vais les mettre sur YouTube. Il était à pied, hein. Je l'ai causé à pied. Hein. Je n'allais pas. Il me semblait. Oui, il m'a rendu mon téléphone, oui. Non, mais c'était juste un connard. Il était bourré, il était pas violent ni rien. Il est juste un connard. C'est pas grave, hein. Non, mais bon, disons, il est jeune, là, il s'ennuie dans son quartier, il n'a pas grand-chose à faire, quoi. Ouais. Ça fait un peu d'animation, là, on met des passants. Oh. Oui, c'est vrai. Évitez de crocher des connards en route. C'est quoi le nerf humain? Je ne sais pas. Non, mais on me dit, des teachers, t'es gratos, si je dis, ah, gratos, c'est moi je veux. Mais t'as le haut, ça te va bien, c'est pour l'exercice physique, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je vais regarder sur le web. Ouais, il y a Eurosport. Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas Total. Bon, allez, s'il vous plaît, je te laisse. Salut. Rends bien, à bientôt. Bah, en 15 alors. Ok. Et en avant, à gauche,
la mer rouge, voyons. On reste sur le trottoir. Et allez. Thank you.
Ok. Merci. Thank you.
beaucoup. Oh Mathias, tu sais plus faire de vélo. Alors le portable. Bah oui. Retrouvez
direction chez vous. Ouais, ouais. Bonne course, hein. Ouais, c'est ça, oui. Le mois prochain, on va avoir des bolas. C'était pas prévu, ça. Ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est le vrai sport, là, dans la balade. Bon. Ouais. Bon, allez. Sous quoi, messieurs. Bonne soirée, Neil. Je vous laisse. À lundi, alors. Lundi. Allez. Tu rentres sur le 9e? Non, sur le 3e. Ah. Tu seras là le 15? Oui. Oui. Je serai là. C'est quelle heure, déjà? 19h30. 19h30, d'accord. Bon. Le 15. Mercredi 15. À Gosport. À Gosport. Oui, il faut aller. C'est le... C'est quoi celui-là en fait? C'est une épreuve pour. C'est courir pour elle. Ah oui, d'accord, oui, c'est courir pour elle. J'avais pas noté sur mon calendrier ça. Bonsoir. Ça te dirait de brancher non? Ouais. Ah. Je me lève pas trop tard. Oh, Coralie nous propose. Ouais, mais tu veux dire 11h quoi? Ouais, c'est le 17h30. 19h30, oui. Ah, c'était un plan pour les filles. Je suis sexe, c'est que j'ai du mal avec elle. Oui. Elle est sur... Ils vont la mettre sur le site, apparemment. D'accord. Hier, j'ai d'accord. Mais c'est coordonné, regarde, je peux te donner le lien, parce que... Non, c'est bon, hein. je regarde de temps en temps. Ah non, moi, ah, merde. Il y a quelqu'un qui est en sommeil, là. Non, moi je vais rentrer sur le CTR. Je suis en train de penser à un truc. Non, moi, demain soir, en fait, c'est pas possible. J'ai le recrutement du LAF. L'un des deux clubs. Ah bon, ça ferme? À quelle heure ça ferme? Bah ouais, ça ferme aussi à minuit. Ah bon, bah, il reste 20 minutes alors. Ouais. J'ai une pote qui est juge pour eux, dans leur asso. Et du coup, en fait, je suis invité et je vais tout ça. Allez, à lundi. À lundi.